Yo les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo pack opening. Tout simplement, on va cramer à peu près 100 000 gemmes avec le poteau Flex. Donc voilà, c'est pas le poteau Flex, hein, c'est Flex, son prénom. Donc voilà les amis, au passage, je tenais à vous montrer mon compte parce que je suis enfin arrivé, bordel, ça fait plaisir, à 5800 trophées, applaudissez-moi tout ça les amis. Voilà, je tenais absolument à faire une intro les amis, voilà. Peut-être pas vous mettre de la musique non plus, ne rien exagérer. Mais je suis assez fier de moi parce que franchement, ce deck, ça valait le coup de le maxer pendant des mois. Mais c'est pas du tout le but de la vidéo du jour, les amis. On part de suite sur l'opening, go! Voilà, c'est parti les mecs, on est là pour le pack opening. On va cramer 100 000 gemmes. Vous voyez que Flex, il a 241 000 gemmes. Le mec est plutôt bien, 920 000 or. Donc là, on va être obligé d'augmenter quelques cartes, sinon il va perdre de l'or. Donc on voit que pour l'instant, il y a tout max. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Putain, c'est vrai qu'il est bouillant. Il est bouillant, un truc de fou. Donc là, le but étant de maxer certaines épiques, les amis. On a une mission aujourd'hui. Il va falloir s'y tenir, cramer 100 000 gemmes. Au passage, c'est pas une vidéo meilleure shop, les potes, mais j'y pense. Quand je vois ça, je me dis, putain, il y aurait moyen de rigoler sur une vidéo meilleure shop, parce que la sorcière de la nuit, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même super, super plaisir. Donc, les petits potes, est-ce que vous êtes prêts pour le pack opening? Bien sûr. J'ai oublié de parler des pouces bleus, mais je compte sur ma communauté chérie. N'hésitez pas à m'exploser tout ça, mes petits potes. Il faut absolument faire péter au moins les 5000 pouces bleus. Je pense qu'on peut le faire, les amis. Et je pense qu'à 5000 pouces bleus, on se renverra un opening encore plus ouf. Donc c'est parti, les potes. 3, 2, 1. Go! Alors, premier super magical chest. On veut maxer de l'épique. Là, on n'a pas le temps. Alors, on prend de l'or. Ok, 9 fournaises. Donc, nous, vous connaissez la musique, les potes. C'est souvent pareil. Hein. C'est quasiment à chaque fois pareil. Il nous faut masse commune, masse rare pour avoir une chance d'avoir les épiques en une seule fois. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la petite légendaire. Alors là, pour le coup, on a eu la moitié des rares. On a la totalité des communes. On a 8 princes ténébreux, ok, on a la boule de feu qui va se transformer en or, donc là forcément, on aura les potes, je vais vous le dire, des épiques, il nous reste 15 épiques, 14-15 épiques, 17 épiques, pas mal du tout, et du coup on aura forcément une légendaire, les potes, qu'est-ce que ça va être, je veux une sorcière de la nuit, c'est le pack opening de la sorcière de la nuit, les potes, donc franchement, sorcière de la nuit, on l'a dans le shop, on va l'avoir dans le coffre, 3, 2, 1, alors franchement, une bûche, ça fait plaisir. C'est une des légendaires probablement les plus jouées, je pense, avec la sorcière de la nuit, du coup, qui est jouée dans tous les decks, absolument tous les decks. La carte fait l'unanimité. Je pense qu'elle devrait être patchée, d'ailleurs, dans pas trop longtemps. Mais je la trouve forte. Je la joue pas trop, mais je la trouve super forte. Donc, en tout cas, premier coffre, première légendaire. Moi, je dis, on est pas mal. On est pas mal du tout. On est parti. On va enchaîner ça comme des bourrins. Alors, du coup, 62 communes, ok. On a deux petits barils. On a du squelette, donc la moitié des communes. L'autre moitié des communes, donc là... Il nous manque des rares. On a toutes les rares. Ok. On a toutes les communes, toutes les rares, les potes. On a déjà eu deux épiques. Je crois pas que ce soit possible d'avoir les épiques en trois fois, si je dis pas de bêtises. Donc, normalement, on va avoir le reste des épiques maintenant et on aura une deuxième légendaire. Je croise les doigts, les potes. Ouh, Gaël, t'emballe pas. Putain, c'est le début de la vidéo. Je suis en train de tout donner. Là, je vais plus avoir de force. Ok, 22 boulistes. On a... Putain, il est presque max au passage. On a toutes les épiques, toutes les communes, toutes les rares. Donc, on aura une légendaire, les potes. Franchement, peu importe ce qu'on a. J'ai un faible pour la sorcière de nuit. Oh, le bûcheron! Le petit bûcheron qui passe niveau 4. Ça, ça fait super, super plaisir. Alors, je pense qu'il va pas falloir tarder à l'améliorer pour éviter de perdre de l'or. On va se faire ça dans pas longtemps. Alors, du coup, là, on prend de l'or, ok. Du gobelin à lance, de l'archer, bon, ça, on s'en fout. La cabane de barbare aussi, donc on a toutes les communes, ok. On a toutes les rares, ok. Les épiques en une seule fois, est-ce que c'est possible d'après vous, les amis? Et dites-moi aussi si vous kiffez les trois mousquetaires. Putain, moi, je les kiffe. Franchement, j'ai fait un bon trophée. Bon, faut dire que j'ai passé les rares du niveau 10 à 11, que je suis passé level 13. Donc, il y a eu pas mal d'événements favorables pour moi, on va dire. Mais là, en l'occurrence, moi, les trois mousquetaires, je les surkiffe. Les potes, on veut les épiques une seule fois. Putain, énorme. 25 barils. Alors là, j'ai une pensée pour l'ordre criminel qui a galéré à passer son fût niveau max il y a quelques temps. Et quand je vois ça, je pense à lui. Allez, on veut une troisième légendaire, un bon truc. Oh, la voleuse, ça fait plaisir. Oh, le petit screen qui fait plaisir. Oh, la petite voleuse, elle est intéressante. Elle n'est pas trop jouée, mais elle va sûrement être boost dans pas trop longtemps, parce que, comme à chaque fois, les cartes qu'on voit pas ou qu'on voit trop, il y a des petits aménagements. Donc, les potes, là, j'ai bien envie de tenter de... Alors, j'ai bien envie de tenter d'améliorer
le petit bûcheron, 50 000 pièces d'or. On l'améliore simplement pour éviter de perdre de l'or. Hein. Voilà, on est d'accord que hors de question de perdre de l'or. Donc voilà, on n'a pas le temps. Alors, on est reparti pour un troisième ou quatrième, je sais plus. Putain, les potes, je suis perdu déjà. Alors, 86 barbares. On a de l'esprit de feu, ok. De la tornade, on a assez loin. On a donc eu toutes les communes. Il va manquer les rares. Alors, on n'a pas dit notre dernier. Si, 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 c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il reste les rares. Et du coup, là, il va rester les épiques. 15 princes, ah c'est un peu dommage. Un coffre sans légendaire, ça fait toujours un petit peu de peine. Mais bon, on va pas pleurer non plus. Allez, on est reparti les potes, voilà. Alors, 5166 pièces d'or, 150 géants royaux. L'esprit de glace, on s'en fout. Donc on a eu toutes les communes. Alors, la tornade, on en a 6, ça nous fait 131 sur 200 en avance. Le baril, décidément, on en a dans tous les coffres. Alors... Alors, on a eu toutes les épiques, mais est-ce qu'on a eu toutes les rares, les potes? J'ai pas fait gaffe. Et non, il manquait des rares. Oh là 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 là, 148 cochons qui partent à, pas à la poubelle parce qu'on récupère de l'or. Mais quand même, c'est pas payé, les potes. C'est pas payé parce qu'il y a des mecs qui franchement, qui donneraient tout pour avoir ces 148 cochons. Ah, ça fait deux coffres, on n'a pas de légendaire, les amis. C'est un petit peu dommage. Allez, on repart de plus belle. Alors... Le géant, on s'en fout. La cabane de gobe, c'est maxé aussi. Donc là, les communes, on a tout en un coup. Ouais, là, ça sent bon. Oh, le bouliste! Le bouliste niveau max. Ça, c'est la première épique niveau max. C'est énorme. L'extracteur, qui est déjà niveau max, ça rapporte de l'or. Ok, là, on a eu toutes les épiques. Normalement, il va y avoir une légendaire, les potes. On croise un petit peu les doigts. 3, 2, 1. Et un cimetière qui fait plaisir. 6 sur 20, pas mal, pas mal. Quelle est la légendaire la plus avancée? Les petits potes. Alors, du coup, la légendaire la plus avancée... Putain, le Molosse 11 sur 20, ça commence à être pas mal. Franchement, le mineur aussi. Et osé... Oh, putain, les épiques, les potes, le Golem 7. Franchement, moi, moi, le Golem, ça reste une de mes cartes préférées, honnêtement. En tout cas, c'est mon épique préférée. Donc, franchement, hâte de la EP niveau 8. Parce que là, à mon avis, ça peut envoyer du très, très lourd. Donc, toujours 5166 pièces d'or. La horde, ok. Le gang. Alors, les ballons. On n'est pas si loin que ça aussi. On a toutes les communes avec le géant royal. On a toutes les rares. Donc là, les épiques. Ok, on a eu toutes les cartes. Il manque plus qu'une légendaire, les potes. Il serait quand même temps de débloquer... Enfin, de débloquer. D'avoir une sorcière de la nuit. Les amis, c'est le moment de croiser les doigts. Et encore une bûche, décidément. Bon, ça fait plaisir, hein, franchement, la bûche. Tant qu'on n'a pas un zapier, un dragon de l'enfer, les potes. On est content. On est content, on va pas pleurer, voilà, ça fait plaisir. Donc là, on repart encore pour un nouveau coffre. Toujours pareil en termes d'or. Donc là, le gobelin Sarbacane, on s'en fout un petit peu. L'armée de squelettes, il reste du taf. Le sort de rage qui est officiellement maxé, mais je vais pas vous mentir, on s'en fout un petit peu. Alors, le poison. Ouais, le poison, c'est pas mal. Franchement, le poison max, ça casse quand même pas mal de troupes. Pour rester poli, le miroir, on s'en fout. Et il restait... Les rares. Donc là, on va être obligé d'améliorer des cartes. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer pour éviter de perdre de l'or? Les petits potes, je pense qu'on va améliorer le dragon de l'enfer, simplement, parce que ça reste une légendaire. Et c'est toujours cool de l'avoir à un niveau intéressant. Et je pense qu'on améliorera le bouliste aussi, qui peut être pas mal. Alors, on est parti pour un autre coffre, les amis. Alors, 5166 pièces d'or, du canon, des gargouilles, ok. Des rares un petit peu avec le golem de glace. Donc là, on a toutes les communes. On va voir le reste des rares, je pense. C'est le cas. Du coup, il faut les épiques en une seule fois. Et c'est mort. Et c'est mort. On aura les épiques en deux fois. Et en plus, du miroir et de la sorcière. Ça, c'est loin d'être le meilleur coffre du jeu. Là, franchement, les potes, je suis un petit peu déçu. Parce que c'est pas oufissime du tout, du tout, du tout. Alors, les potes, j'espère que vous n'avez pas oublié votre plus beau commentaire et votre plus beau pouce bleu. Un petit mot gentil en commentaire avec votre carte préférée. Ça fait toujours plaisir. Je pense que honnêtement, là, si je demande la légendaire préférée, je vais avoir la sorcière de la nuit dans 9 commentaires sur 10 parce qu'elle défonce tout. Pour ceux, bien sûr, qui ont la chance de l'avoir débloqué dans le défi ou de l'avoir. Hein. On est d'accord, ceux qui l'ont pas ne peuvent pas savoir ce que c'est. Je leur souhaite de l'avoir. Mes petits chats de tout cœur. Alors là, on est au Baby Drag de niveau max. Ça, c'est cool. Le poison, il en manque plus que 21. Donc, il reste des épiques. Ok, on va avoir une légendaire, les potes. 3, 2, 1, avoir un bon truc. 3, 2, 1, avoir un bon truc. Go! Et un cimetière. Pas mal. Oh, le mec, si... Franchement, cimetière max, c'est une des cartes... Je pense que c'est une des cartes préférées des top joueurs, on va dire. Peut-être pas de la moyenne communauté, mais des top joueurs. Le cimetière est très, très apprécié avec le géant. Franchement, ça a vraiment, vraiment la cote. Donc, alors, on est reparti, les potes. Alors,
On a le petit Super Magic, donc du coup 5166, l'extracteur par deux, ça nous troll. La Valkyrie, on s'en fout, le cochon aussi, toutes les communes d'un coup, donc là on va avoir les rares je pense. Voilà, on a eu toutes les rares. Il faut les épiques en une seule fois les amis. Oh la voleuse! La voleuse une deuxième fois et on aura les épiques en dernier coup. Putain, ça me fait toujours plaisir. Le petit screen qui va bien et les épiques. Oh le clonage qui est max, alors ça... Ça, c'est un peu con. Alors du coup, on a perdu peut-être 2-3 000 or. Je vais EP, à mon avis, le bouliste. Alors, le bouliste, on va le passer niveau max. Oh là là, la première épique niveau max ou pas? Alors, est-ce qu'il y a de l'épique niveau max? Il y avait le PK. Putain, les potes, c'est quand même un truc de fou. Les épiques de niveau max, c'est vraiment du lourd. Alors, pardon, j'allais cliquer sur les gemmes. Oups, voilà. Là, on reclique sur le coffre, c'est reparti les potes, voilà. Alors, 5166... Pièce d'or, ok, de la méga, de la Tesla, 4 bourreaux, on est assez loin. L'esprit de glace, on a tout eu, ok, ok, les épiques, ok les potes, putain, on n'est pas loin. On est à 12 princes du niveau max, et la légendaire, qu'est-ce qu'on veut, peu importe. Oh, la sorcière de la nuit qui fait plaisir. Oh, celle-là, elle fait plaisir. Celle-là, elle fait tout particulièrement plaisir, les amis, parce que c'est la petite légendaire du moment. Franchement, ça me fait kiffer. L'opening qui fait tout simplement plaisir. On prend du screen, en veux-tu, en voilà. On se fait plaisir, c'est fun. On est là pour passer un bon moment, les amis. Et clairement, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment le kiff ultime, ces openings. C'est pas d'ailleurs des petits openings, hein, c'est des gros, gros openings. Du coup, le prince, on en a eu deux. Alors, la sorcière, on s'en fout un petit peu. Toutes les communes en un coup, on a eu toutes les rares. Il va rester les épiques, les potes, on va espérer toutes les avoir. Oh le ballon, oh le beau ballon. Oh le beau ballon et la légendaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Une sorcière de la nuit? Non, oh là 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 là, putain. Oh, oh là là, les amis, ça c'est vraiment... Ça, dire que j'ai un pote l'autre jour qui me dit « Ouais, tu devrais tester, c'est pas mal, ça marche bien. » J'ai dit « Non, arrête, pas de ça chez nous. Le dragon de l'enfer, je préfère même pas en parler. Même si je déteste la rencontrer, je trouve qu'elle est super... Enfin, elle est super chiante, pas super forte, elle est super chiante à jouer. » Enfin, à contrer plutôt qu'on tombe contre. Mais je n'aime pas cette carte, je préfère être clair. Donc, les amis, alors, le squelette, les moumous, décidément, on en aura eu un paquet. La fournaise aussi, mais de toute façon, ça part en or. Les communes, ok. Alors, je pense qu'on a eu toutes les rares, parce qu'on va avoir tous les épiques en un seul fou. Ah, un sorcier de glace, les potes. Un sorcier de glace qui fait super, super plaisir. Et les épiques, il faut en maxer encore une. Il faut en maxer encore une. Aïe, 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 le baby drac était déjà maxé. Donc là, on prend 20 000 pièces d'or. C'est à la fois bien et à la fois un petit peu dommage de... Ouais, c'est un petit peu... Je suis un peu mitigé, là, sur le coup, parce que, du coup, franchement, il y a tellement d'épiques à avoir pour avoir du bébé drag, c'est quand même un petit peu dommage. Surtout que, honnêtement, le ballon, le prince ou le foudre auraient quand même été bienvenus. Hein, ça aurait fait plaisir, les amis. Donc, alors, on va repartir sur notre coffre, les potes. Alors, 5000, toujours pareil. Du poison, on est à 20 du niveau max, le canon pas mal, l'esprit de glace c'est max, les barbares aussi, donc on a eu toutes les communes, on a eu la moitié des épiques, je pense qu'il reste les rares et c'est mort, parce qu'il reste les rares, putain encore des 3 mousquetaires les potes, c'est un truc de fou, et les épiques, oulalalala, il manque plus que 19 gardes les amis, on n'est pas loin de maxer un bon paquet d'épiques, c'est vraiment un truc de fou, allez on est reparti, alors du coup 5166 pièces d'or. Des esprits de glace, du gang, ok, du poison, pas mal, des flèches, ok, et il reste des épiques, oh le golem, on est à 13 golems, de l'objectif d'une vie, alors là je pense qu'on va EP, le baby drag, où te caches-tu, voilà, 100 000, on est reparti, tac, on va en ouvrir encore quelques-uns, après, non, on va pas acheter 120 000, ça fait un petit peu cher, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les potes, la sorcière de la nuit à 120 000, c'est un petit peu abusé, alors on est reparti, du coup, du zap, du bomber, des flèches, le cochonou, on a eu toutes les rares, les épiques, oh les potes, c'est la troisième légendaire qu'on a, où il reste encore des cartes après, donc on aura des épiques les potes, on va espérer une bonne épique pour la maxer, oh le ballon il est maxé, ça fait plaisir, applaudissements, le ballon de niveau max, putain le géant ballon, ça peut faire super mal, allez on en ouvre un petit dernier les potes du coup. Les pièces d'or, le mortier, ok, l'archer, géant, ok, le petit squelette, du coup, ça rapporte de l'or. Alors, là, il faut avoir les épiques en une seule fois, les potes, on va espérer maxer une nouvelle épique,
Et yes, le prince, putain, on fait jackpot. On fait jackpot, on peut pas être plus chanceux. Et la bûche, et la... Oh, c'est la quatrième ou troisième, je sais même plus. Les amis, s'il vous plaît, ceux qui ont le temps, comptez-moi le nombre de légendaires de l'opening, j'ai pas suivi. Je suis débordé, je suis trois fonds, et je perds les pédales de l'opening, je suis déboussolé. En tout cas, les amis, ce fut un opening de fou furieux. On va s'ouvrir un petit coffre magique. Est-ce qu'il y aurait pas une légendaire? Est-ce qu'il y aurait pas une légendaire cachée dans ce petit coffre? Alors... Et non, c'est les épiques. 4 tornades. Alors, on va s'en ouvrir encore un ou deux, histoire de finir. Allez, 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 les potes. Allez, les potes. Une petite légendaire cachée, là. Allez, allez, allez. Pour l'instant, de la commune, de la commune. Oh là 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 là, les rares. Et l'épique du fût. Allez, un dernier. Un dernier pour la route, un dernier. Allez, les potes. Croisez les doigts, la petite légendaire cachée. On veut masse commune, masse rare. Masse commune, masse rare. Pour l'instant, c'est mal parti. Ah là 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 là, toutes les communes, toutes les rares et les piques. Aïe 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 aïe. On finit doucement l'opening. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé ce pack opening. Je me suis régalé. Et n'oubliez pas le pouce bleu, un petit mot gentil en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait les amis. Je vous retrouve à très bientôt pour des gros pack opening, des grosses vidéos, des meilleurs decks. Voilà, le deck de champion suprême qui arrive bientôt. Des vidéos Clash of Clans. En veux-tu, en voilà. Grosse bise à tous, une bonne journée les amis. Bisous.